Il fallait s'armer de patience aujourd'hui pour admirer les merveilles du musée du Louvre. De très longues files d'attente, l'entrée était gratuite et ce sera le cas désormais tous les premiers dimanches de chaque mois. Retour à une vieille tradition interrompue en 1990 lors de l'ouverture du Grand Louvre et de la Pyramide. Visite gratuite, Xavier Colombier, Jean-Marc Gardeux. Un ministre au Louvre à l'heure du laitier. Une image rare pour réinstaurer une mesure séculaire disparue en 1990. La gratuité du musée, le premier dimanche du mois. J'ai déjà visité le musée du Louvre, c'est vrai que c'est la première fois que j'y arrive aussitôt. Pourquoi avoir pris cette initiative de rétablir l'ouverture gratuite le dimanche? Parce que chaque Français a droit à la culture. Parce que pour moi, l'accessibilité de la culture, pour tous, c'est ma priorité. À goûter au plaisir égoïste de dévorer des yeux les trois grâces. Redécouvrir David sans les explications d'un guide ennuyeux. Revoir en tête à tête la Vénus de Milo. Plonger dans la lumière de la tour sans horde de touristes, se retrouver seul à seul avec les rondeurs d'un Rubens, la pompe d'un salon Napoléon III ou la richesse des joyaux de la couronne, autant de moments de bonheur dorénavant à nouveau gratuits, mais là c'est éphémère car dès 11h le Louvre dominical est totalement saturé. Quand il y avait Richelieu, il y avait nettement beaucoup plus de monde. Richelieu nettement. Au XVIIe siècle? Non, l'ouverture de Richelieu. De mémoire de guide, la cohue d'aujourd'hui n'égalait donc pas à celle de l'ouverture de l'aile Richelieu. Pourtant, beaucoup de Parisiens en ont profité pour revoir leur plus grand musée du monde. Pourquoi ça me plaît? J'aimerais le savoir. C'est magique. Oui, j'aime beaucoup ça. Et puis c'est pratique, il y a le 95 qui m'amène devant, qui me ramène chez moi, c'est bon. Bon, on avait envie de venir simplement, se passer un bon moment en famille, et puis voir la Joconde, ce qu'on n'avait jamais vu. Pour revoir gratuitement le sourire de Mona Lisa, il faudra patienter encore 30 jours et surtout se lever tôt, très très tôt, un sacrifice pour être le seul à lui faire un clin d'œil.